Et donc, à partir du moment où j'ai été confronté à ça, moi, le désir, il a été très fort, quoi. Et simplement et honnêtement, c'est ce que je disais, c'est que j'ai regardé les mangas et je comprenais pas. Je comprenais pas le temps japonais. Et parce que je crois que qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée? C'est simplement une maîtrise du temps. C'est un travail sur le temps narratif, le temps de référence, enfin, c'est le temps en général. Et je crois, et honnêtement et sincèrement, je crois que les Japonais n'ont pas le même rapport au temps que nous avons. Donc, je me suis dit, plutôt que de copier bêtement le manga à la japonaise et donc ne rester qu'à une chose tout simplement formelle, je me suis dit, je vais faire le plus honnêtement possible une histoire, un roman graphique de. Au départ, je pensais 200 pages, quoi. À la fin, ça a été 400 pages. Mais au fond, je pensais pas faire un manga. Je pensais faire un roman graphique à ma façon. Et la proposition que j'ai faite à mon éditeur, c'était cette proposition-là, clairement établie, quoi. Et ils l'ont acceptée. Ils m'ont donné, ils ne m'ont rien imposé. Ils m'ont dit, faites le meilleur de vous-même. Et moi, je sais que de toute façon, et quoi qu'il arrive, chaque fois que je suis confronté à ma table à dessin, à ma planche, à ma feuille de papier, je fais toujours le meilleur de moi-même. Donc, j'ai fait le meilleur de moi-même, cette fois avec cette espèce de vertige que peut procurer l'infinité de l'espace. Parce que quand tu te dis que tu peux y aller, quoi, que tu peux laisser dérouler, enfin les respirations, enfin les rythmes, tout ça, qui sont les rythmes qui sont les miens, j'ai pu les exprimer à cet endroit-là, quoi. Et je crois que pour moi, l'autoroute du soleil, ça a été une expérience merveilleuse à cause de ça. C'est que j'ai pu enfin parler avec ma voix. Et pour ça, moi, je suis reconnaissant à Kodansha pour le reste de mes jours. Allora, una volta che c'è stata questa proposta, la cosa principale era cercare anche di capire che cos'era il manga. E onestamente dice che in seguito al suo esame, alla sua così presa di osservazione del linguaggio giapponese, non ha capito nulla. L'unica cosa che è stata chiara man mano che si andava avanti nel lavoro e nell'osservazione era che il tempo ha una concezione che profondamente, molto probabilmente molto profondamente diversa da quella che abbiamo noi qua in Occidente, e che è un tempo di rappresentazione, un tempo di scansione proprio narrativa. In seguito a questo c'era l'ebbrezza della vertigine del potere finalmente raccontare una storia secondo le regole che erano un'attitudine onesta di fare il meglio di se stesso. Quindi ha lavorato nella creazione di una storia senza avere limite alcuno. I giapponesi non hanno posto nessun limite, nessuna domanda, nessuna richiesta di imitazione del linguaggio giapponese, eccetera. E tutto quanto è venuto nel lavoro secondo una definizione che era quello di trovare quindi una storia propria a lui e direttamente svilupparla con la prospettiva infinita praticamente. Poteva sviluppare quello che era richiesto secondo la storia. Per questa cosa è riconoscente alla Kodansha per il resto dei suoi giorni e dice che è stata un'esperienza meravigliosa. Il pianeta della bande dessinée, del fumetto francese, appare spesso visto dagli occhi italiani come una specie di paradiso terrestre, e non è un caso che numerosi autori, anche tra quelli del fumetto popolare, stiano in questo momento preparando dei progetti da sottoporre agli editori francesi. È tutto vero? È così, una situazione così paradisiaca quella della bande dessinée française? Moi, je veux bien répondre à cette question, mais j'espère que vous avez quelques jours à me consacrer pour que je puisse y répondre complètement. Può rispondere a questa domanda, ma spera che avremo qualche giorno da consacrargli perché possa farlo interamente. Ma sì. Non, je crois qu'effectivement, la situation de la bande dessinée, de l'industrie de la bande dessinée en France, est une situation que beaucoup de pays peut nous envier, à l'exception du Japon et peut-être des États-Unis dans un autre registre. Mais, parce qu'il y a un mais, je crois qu'on ne peut pas parler de la bande dessinée en général.
On est bien d'accord qu'il n'existe pas une bande dessinée que tout le monde pratique avec un égal bonheur, mais il y a des bandes dessinées, quoi. Et il est certain qu'en France, ce qui est actuellement, ce qui est en bonne santé, c'est une certaine forme de la bande dessinée. C'est, disons, celle, la bande dessinée la plus traditionnelle qui soit, celle qui est née il y a quelques temps de ça, et qu'on peut qualifier de tradition franco-belge, quoi. Donc cette bande dessinée-là, effectivement, marche bien en France. C'est-à-dire que commercialement, elle assure une certaine prospérité aux maisons d'édition et aux auteurs qui la pratiquent, mais pas d'une manière exceptionnelle, hein. Et y compris pour cette forme de bande dessinée-là, quoi. C'est vrai que... Allora, la prima parte della risposta è questa, che è vero che esiste un mercato francese che può essere invidiato da numerose altre nazioni, all'eccezione probabilmente del Giappone e degli Stati Uniti, ma è anche vero che probabilmente improprio parlare di bande dessinée, cioè di fumetto, in termini generali, perché ne esistono diverse. Esiste una tradizione che ha un grande, come dire, un grande successo di vendite, quindi un grande successo commerciale, che è la tradizione del fumetto cosiddetto franco-belga, e questa tradizione narrativa ha un grande riscontro, il che garantisce una certa prosperità alle case editrici. Però appunto non esiste soltanto questo tipo di fumetto, e qui la situazione è diversa. Et donc si je sais que c'est pratiquement, il y a en France, il y a guère qu'en France, pour l'Europe en tout cas, où on peut trouver par exemple des auteurs de bande dessinée qui vendent des livres au-delà de 100 000 exemplaires, quoi, hein. Et ceux-là sont quand même pas très nombreux. Ils sont pas très nombreux. S'il y en a peut-être une grosse cinquantaine, c'est le bout du monde, quoi. Et à côté de ça, il y a peut-être 2 000 ou 3 000 auteurs de bande dessinée qui, eux, ne vendent pas autant, même quand ils font de la bande dessinée traditionnelle. Moi, ce que je dis plutôt que traditionnelle, je dis conformiste. C'est-à-dire, c'est cette bande dessinée qu'on a toujours fait et qui ne réfléchit pas sur elle-même et qui ne fait que reproduire ce qui a déjà été fait. Bon, cette bande dessinée-là est la bande dessinée majoritaire. Peut-être que c'est 80% des auteurs de bande dessinée qui pratiquent le langage, pratiquent cette bande dessinée-là. Alors, esiste un tipo di fumetto, di bande dessinée francese, che praticamente è definibile come conformista, cioè vale a dire che ripete quelle che sono le strutture, le abitudini narrative, eccetera. Esistono anche degli autori, naturalmente in Francia, che vendono sopra le 100 o le 200 mila copie, però questi non sono una grande quantità, sono all'incirca una cinquantina, per dire tanto. Poi l'80% invece degli altri autori che anche pratica, diciamo, la bande dessinée, cioè il fumetto considerato così in maniera tradizionale, non ha assolutamente questo tipo di successo, anche se comunque ripete quel tipo di formule. E même aussi paradoxal que cela puisse paraître, à l'intérieur de cette bande dessinée à succès, l'écrasante majorité des auteurs vivent très mal leur statut d'auteur, c'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas bien leur vie, quoi. Il s'agit plus, tu sais, comme ces types qui mettent le charbon dans les chaudières, dans les navires à vapeur, quoi. Tu vois, c'est les soutiers. Ils font leur boulot, ils sortent un album, et peut-être que s'ils arrivent à 1000 ou 1500 exemplaires, c'est le bout du monde. Et ça, c'est pour la grande majorité des auteurs. Mais effectivement, pour les maisons d'édition, tous ces auteurs mis ensemble, ça fait de la masse. Et donc, on peut avoir l'impression, depuis l'extérieur, que la bande dessinée française, elle est comme ça florissante. Mais au fond, en dessous, les gens qui la font, eux, ne vivent pas, ne sont pas au paradis. Allora dice che per quanto riguarda la grande quantità, diciamo, degli autori che produce storie, quindi bande dessinée in generale, li compara praticamente a quelli che mettono il carbone nei battelli a vapore, quindi sono persone che fanno questo lavoro e che vendono magari 1500 copie di un libro, quindi che non vivono molto bene la loro vita. Però tutto questo visto dal di fuori crea comunque un'enorme massa di produzione e da
un'idea così forse un po' paradisiaca di questo mercato francese, anche se però esaminato uno per uno gli autori, la grande parte, la grande maggioranza di questi autori non è certamente degli autori di successo, diciamo, e quindi che vivono non in maniera proprio prospera.